Good morning, allez, Iden, tu seras aujourd'hui le Neshmat Amram Yona ben Chana, Peggy Batester, Nissim ben Aouda, et aussi une fois tout route, Bat Claudine, Travail Nassim, Rabat Masoudi, Bator, Chachol Israël. Si vous souhaitez aussi les deux, une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Douyot, Perek He, Mishnah Bet, Rabbi Yossi Omer, Shisha Dvarim, Egole, Bachamayou, Ben Chumre, Bet Hillel, Aof Ole, Ima Gvina, Ala Shulchan, Venon Echal, Kitivre, Bachamayou, Bet Hillel Omrim, Enole, Venon Echal. תורמין זיתין של שמן, של שעל שמן, וענבים על יין, כתבר בשמיים ובית הלל אומרים, אין תורמין. 3. הזורע 400 שבכרם, בית שמאי אומרים, קידש שורה אחת, ובית הלל אומרים, קידש שתי שורות. 4. כתבים דיסקוסיון. המעיסה בית שמאי אומרים, בית שמאי פוטרין, ובית הלל מחייבים. 5. מטבילין בחר דלית, כתברי בית שמאי ובית הלל אומרים, אין מטבילין. 6. גר שנתגייר בהרבה פסחים, בית שמאי אומרים, טובל ואוכל את פסחו, את פסחו לערב, ובית הלל אומרים, הפורש מן העורלה, כפורש מן הקבר. מקומו סוציאת רג'ו, רבי יוסי אומר, שישה דברים מקולי בית שמאי, סיס דיסקוסיון, entre בית שמאי ובית הלל, se sont avérés avec, où il y avait là-bas, מקולי בית שמאי, בית שמאי était plus mekel, plus permissif, plus cool, ou מחומרי בית הלל, et בית הלל était plus Mahmir. Quelles sont ces six discussions selon Rabbi Yossi? Haof olei magvina la shulchan venon echal. Littéralement, haof la chair de poulet olei magvina monte sur avec du fromage à la shulchan sur une même table. Donc ça monte sur une même table avec du fromage. Venon echal par contre il n'a pas le droit d'être consommé. Qui est du vrai Beit Shammai? Quel comme est l'avis de Beit Shammai ou Beit Hillel Omrim? Et Beit Hillel pense disent. Et non, les venons et ni tu le fais monter sur la même table, ni même tu le manges, bien évidemment. De quoi on parle? C'est simple. Selon la Torah, il y a marqué dans la Torah, l'Ote Vachel Gedi Bachalev Imo. Vous ne ferez pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. En réalité, il y a marqué ne pas faire cuire, mais ça implique aussi ne pas manger, bien évidemment. C'est une barrière, en fait. La Torah, elle a précisé la barrière pour te faire allusion que, à plus forte raison, on ne le mange pas. Donc, c'est l'interdit de Bassar Bechalav, ne pas mélanger le lait et la viande. Selon la Torah, on transgresse l'interdit que lorsqu'on fait cuire la viande dans le lait, Chachamim sont venus et ont interdit, d'abord on parle de la chair de bétail, de bovin, d'ovin, après on va passer avec la chair avec le poulet. Donc pour le moment, la Torah a dit, tu ne feras pas cuire, ça veut dire en fait, tu ne mangeras pas ce qui a été cuit ensemble. Par contre, selon la Torah, manger à froid de la viande et du lait, il n'y a pas d'interdit de la Torah. Il y a quand même un interdit des Rabbanan, et Chachamim sont partis encore plus loin. Ils ont même dit que lorsque tu manges de la viande, tu n'as pas le droit de l'avoir d'abord sur une même table du lait. Par exemple, toi, tu manges un repas de lait et sa femme mange un repas de viande, un à côté de l'autre sur une même table, c'est interdit. Il faut nécessairement faire un équerre, mettre une distinction entre eux pour ne pas qu'ils soient amenés à manger l'un avec l'autre. C'est une xéra des rabbanan que Chachamim ont fait sur la. Ne pas faire monter même sur une même table. Lorsque tu manges de la viande, t'as que de la viande, t'as pas de lait sur la table. Et lorsque tu manges du lait, t'as du lait et t'as pas de viande sur la table. D'accord ? Maintenant, selon la Torah, puisque la Torah elle a précisé qu'il faut le chevreau dans le lait de sa mère, bien évidemment ça peut même être un chevreau dans le lait de quelqu'un d'autre, même dans du lait de vache, mais malgré tout, le fait que la Torah a précisé cet exemple, on déduit de là que la chair de poulet n'est pas inclue dans cet interdit selon la Torah. Puisque le poulet n'est pas, la poule n'est pas une mère qui allait ses petits, donc elle n'a pas de lait, de ce fait, la chair de poulet n'est pas interdite à être consommée avec du lait. Midoraita. Midorabanan, étant donné que la viande de poulet ressemble un petit peu dans sa contexture à la viande, de bœuf, de bétail, de vin. Donc de ce fait, Rami en fait une xéra de ne pas manger la viande de poulet avec du lait. Dans notre discussion, on découvre à présent une nouvelle discussion entre Bechama et Beit Hillel. Est-ce que, puisque l'interdit de la chair de poulet n'est que midrabanan, manger sur une table de la viande où se trouve du lait, ce n'est qu'un interdit midrabanan. Peut-être qu'on va te permettre dans ce cas-là de manger sur une même table de la viande de poulet avec du lait à côté. Parce que cette fois-ci, c'est un peu comme une xéra à l'exéra. Si au pire, tu risques de prendre du lait et le boire en même temps que tu manges ton poulet, nous, t'es encore loin de l'interdit de la Torah de manger du lait, de la viande qui ont cuit ensemble, de la viande d'Afka, de vache. Alors, est-ce qu'on va permettre ou non? C'est en ça qu'ils discutent. Beit Shammai nous enseigne,
tu as le droit de manger ta viande de poulet et d'avoir du fromage à côté. Bien sûr, tu ne manges pas ensemble, ça va d'ailleurs s'interdit. Mais on ne craint pas que tu risques de manger, de boire un verre de lait pendant que tu as du poulet dans la bouche. Parce qu'au pire, si tu l'as fait, tu n'as toujours pas transgressé l'interdit de la Torah. De ce fait, il n'y a pas lieu de te mettre tellement de barrières. Et malgré tout, on bête le nombril, et non, on fait la xéra, on ne les met pas sur une même table de peur que tu vas les mélanger ensemble. Et qu'après, tu vas te mettre à les mélanger. Aujourd'hui, c'est du poulet. Demain, ça va être une bonne tranche de viande et tu vas les mélanger avec l'autre et tu risques de transgresser même parfois l'interdit de Horaïta. Si ta viande est encore chaude et que tu vas mettre du lait dessus, il est possible qu'il y ait dedans, dans cela, un interdit de la Torah. De ce fait, donc, barrière, tu ne manges pas. Deuxième discussion. Cette fois-ci, on passe dans ma Masechet Torumot. Tormin. Tormot, c'est bien sûr dans le Seder Zraïm. Premier Seder. Premier, c'était Choulin. Choulin, c'est dans le Seder Kochim. Tormin zetim al shemen va anavim al yain. On a le droit de prélever des olives sur de l'huile d'olive et du raisin sur du vin, qui est divré Bet Shammai, comme il est d'avis selon Bet Shammai, tandis que Bet Hillel omrim en tormin. Selon Bet Hillel, on ne pourra pas prélever. Soit la Torah m'impose de prélever toutes les productions agricoles, si j'ai du raisin, je dois prélever du raisin, des pommes, je prélève des pommes, des olives, et maintenant. Il y a une halakha particulière de le donner, qui est Dagan Minagoren, sur ce qui a été un produit fini, achevé complètement. C'est une halakha particulière. On aura l'occasion un jour, Bezant Hashem, on arrivera sur un Masechet Trumot, on découvrira qu'il faut que les choses arrivent à leur Gmar Malakha, qu'ils aient complètement fini leur d'être prêts maintenant à la consommation. Tant qu'on est encore en plein milieu des préparatifs à la consommation, mon blé, je l'ai battu, je ne l'ai pas encore vanné, je ne l'ai pas encore réuni. Je compte en faire de la farine. Il y a plusieurs limites qui ont été fixées pour chaque aliment. On parle même de concombres qui ont là-bas une petite queue qui doit tomber pour dire que maintenant, ça y est, ils sont imposés d'être prélevés, mais auparavant, ils n'étaient pas encore imposés. Il y a plusieurs définitions, ça se trouve en fait surtout dans Masechet Maasrot, plutôt ce détail-là. En tout cas, pour notre sujet, alors, puisque tu comptes faire de l'huile d'olive, tu ne peux pas prélever, en théorie, les olives. Tu dois prélever l'huile d'olive, une fois que tu as atteint un produit fini, idem si tu veux faire du vin, tu devras prélever le vin et pas le raisin. Et bien malgré tout, Bet Shammai va nous dire, c'est permis aussi de tormin zetim al shemen. Tu as le droit même, a priori apparemment, tel que ça a l'air d'être écrit, même a priori on dirait, ça se discute en réalité. Il y a des petites discussions, il y a un monde sociologue qui parle de tout ça. En tout cas, tel que c'est écrit, on a le droit de prélever des olives sur de l'huile d'olive, on a le droit de prélever du raisin sur du vin, c'est pas grave si c'est pas la même étape. Qui reste encore une étape plus loin, malgré tout ça marche. Kedivre Bet Shammai, tel est l'avis de Bet Shammai, tandis que Ubet Hillel Omrim en Tormin. Et selon Bet Hillel, on n'a pas le droit de prélever de la sorte, tu dois le produit fini sur le produit fini. Troisième discussion à présent, on reste dans le Seder Zraïm, avec cette fois-ci Masechet Kilaim. Azorea Arba Amot Shebakerem. Celui qui va être Zorea, c'est qu'il plante des graines de Zraïm, des petites graines qui vont faire pousser. Toutes sortes, ça peut être du blé, de l'orge, des petites graines, donc dans une vigne. Alors, Bet Shammai Omrim Kidesh Shura Achat, selon Bet Shammai, il va nous dire qu'il a rendu interdit une seule rongée, ou Bet Hillel Omrim Kidesh Shtet Shurot, et Bet Hillel va nous dire qu'il a rendu interdit deux Shurot. Je vous lis le pasouk, c'était dans la parasha de Kitetsé. L'otizra karmecha kil aim pentikdash hamelea azera asher tizra utvoat akarem. Il y a un interdit de kil aim, de mélange interdit qu'on retrouve sous plusieurs aspects dans la Torah. Une des formes, en tout cas, c'est l'interdit que ton vignoble, là où tu as donc ton raisin qui pousse, tu n'as pas le droit de planter une autre espèce. Tu n'as pas le droit de mélanger, de croiser, c'est un croisement d'espèces interdites. Tu n'as pas le droit de mettre ton blé à côté de ton raisin. Si toutefois tu l'as fait, la Torah me précise explicitement « pentikdash hamela ». Littéralement, le mot « tikdash » c'est sanctifié, mais en réalité, ça veut dire que ça va l'interdire comme quelque chose qui est sain. C'est-à-dire que c'est devenu complètement interdit. « Pentikdash hamela azera asher tizra » de peur que ce que tu vas... D'abord, j'explique le principe, après on le revoit dans les mots. C'est que si j'ai mon champ, donc ma vigne, ouais, j'ai 5 pieds de vigne qui sont plantés. En plein milieu, je vais là-bas et je vais planter quelques petits grains de blé, et le blé il va pousser. Le blé sera interdit à la consommation. C'est l'interdit de Kelaïm, c'est explicité dans la Torah. Pentikdash, Amelea, Azera, Shertizra, ce que tu auras planté va devenir interdit. Et en plus de ça, même Utvat Akerem, même ma vigne
mes pieds de vigne vont eux aussi devenir interdits. Mais alors là, il y aura quand même une différence. Bon, imaginez que j'ai des fruits qui ont poussé à 60% déjà, et puis ensuite je viens et je plante mes graines de blé. Alors le supplément qu'il va y avoir sur mes raisins, à partir de ces 60%, va être interdit parce qu'il aurait grandi avec, en transgressant l'interdit de Kilaïm. D'accord, ça a été sanctifié. Sanctifié comme le kadosh qui est interdit. Alors maintenant, on revient dans les mots de la Mishnah. Donc, la question est de savoir maintenant. Imaginez que j'ai 5 pieds de vigne. Ouais, c'est le minimum. 5. 4 qui forment un carré et puis un cinquième qui va un petit peu de travers. C'est le minimum requis pour considérer que j'ai une vigne. Si j'ai juste, c'est-à-dire un vignoble, si juste un pied de vigne, alors là, c'est différent. On ne va pas trop rentrer dans les détails. Maintenant, la Mishnah m'enseigne comme ça. Imaginez maintenant donc que j'ai tout mon vignoble, tout mon verger comme ça, j'ai des rangées de raisins, et je plante vers l'extérieur, je plante là-bas quelques petits grains de blé. Combien de rangées de vignes j'ai interdit? Alors selon Beth Shammai, il va me dire, tu as juste la face externe, la rangée de raisins, donc de vignes, qui est exposée à ces graines de blé, seule elle sera interdite. Et Beth Hillel va me dire, non, deux shurot, il faut deux rangées. Parce que si vous faites attention dans le pasuk, Pentigdash amale azera sher tizra utvuata karem est la production du vignoble. Ça implique qu'il y a au minimum deux rangées selon Beth Hillel. D'accord ? C'est ça qu'il y a une discussion. Qu'est-ce que ça implique un vignoble ? Pas un pied de vigne, mais tout le verger. De ce fait, Beth Hillel va dire à partir de deux rangées, on considère que c'est un verger. On passe maintenant à la quatrième discussion qui se trouve cette fois-ci dans le Sechet Chala. Ameissa, celui qui fait une forme de pâte, mais sous forme de meissa. En fait, on parle que on fait d'abord bouillir de l'eau, c'est un peu la pâte à choux, c'est le même principe. On fait d'abord bouillir de l'eau, et pendant que l'eau est bouillante, on introduit dedans de la farine, et on la mélange, bien sûr, jusqu'à en faire une pâte. Et puis après cette pâte, j'imagine qu'on la refaisait rentrer en four, ou au four, ou pas, je ne sais pas. En tout cas, cette meissa, non, peut-être que ça se mange cru plutôt, c'est plus logique à dire que ça se mange cru. Ouais, je ne veux pas m'engager parce que si l'arme au four, c'est possible que ça touche à une autre halakha. Pour le moment, il la mange telle qu'elle. Donc en fait, il s'avère qu'il a de l'eau bouillante qui est sur le feu, par exemple, il verse dedans de la farine, suffisamment pour en faire une pâte, et puis à la fin, il va former un petit pain qu'il va laisser sécher et qu'il va ensuite manger. Alors, est-ce que ce pain est imposé de chala ou non? Supposons qu'il avait mis 1,7 kg de farine, est-ce qu'il doit prélever la chala de ce pain ou non? C'est-à-dire, principe très simple, la Torah, elle a dit Davka Lechem. Lechem, une des caractéristiques du Lechem, c'est d'être ne'efa, afouille, cuit au four et non à la casserole. De ce fait, Beth Shammai, poterine. Beth Shammai va te dire, quand tu fabriques ta pâte avec, sur le feu, c'était dans de l'eau bouillante, lorsque tu vas introduire la farine, alors tu es en train de faire bouillir ta pâte. En fait, une pâte bouillie, c'est plus une pâte cuite au four, de ce fait, elle est dispensée. Et malgré tout, Obet Hillel me chayvin, et malgré tout, Bet Hillel le rend chayav de chala. Je ne sais pas pourquoi ici, est-ce que c'est parce qu'il a fait rentrer au four ou pas, ça n'a pas été précisé, ça se trouve dans chala, je n'ai pas vérifié en fait. D'accord? C'est pas écrit ici. Ok, quatrième discussion maintenant. Cette fois-ci, on passe dans la sechet mikvaot. Matbilin bechar delit. Har delit, c'est har delit. En réalité, on parle qu'il y a eu un torrent qui s'est formé après la pluie. D'accord? Comme ça, le Rambam l'explique. On va expliquer, bien sûr, de quoi on parle. Alors, selon Beth Shammai, on a le droit d'être matbilin bechar delit. On a le droit de se promener dans ce petit, de se tremper pour faire un besoin de faire une villa. On pourra se tremper dans ce petit torrent. Ça, c'est kedivrei Beth Shammai selon Beth Shammai. Ou Beth Hillel omrim en matbilin, et selon Beth Hillel, on ne pourra pas se tremper. Alors là, on fait un petit point. Il y a deux manières de se purifier lorsqu'on veut se tremper. On peut se tremper au mikvé, par définition. Le mot mikvé, c'est un endroit où on a réuni de l'eau de pluie. Alors là, il y a des halakhot particulières. Il faut que l'eau de pluie reste sur place nécessairement pour pouvoir purifier. Si l'eau de pluie, même si elle a été bloquée dans un trou, imaginez qu'on a ouvert la porte, le trou d'évacuation, et l'eau est déjà en train de constamment de sortir. Puisqu'elle est déjà en mouvement, on pourra plus se tremper dans ce mikvé. C'est pas soul. Il faut que l'eau elle soit fixée. C'est ce qu'on appelle être tovel be'ashboren. C'est que l'eau elle est retenue dans un endroit bien retenu. C'est pour ça qu'on se casse tellement la tête lorsqu'on construit un mikvé, à vérifier qu'il n'y ait pas une seule faille, qu'il n'y ait pas de perte d'eau. Ça rend pour éviter d'entrer dans certaines discussions.
Ça, c'est pour celui qui se trempe dans un mikvé. On peut aussi se tremper dans un mayan. Le mayan, c'est une source jaillissante. Puisque c'est une source jaillissante, on peut se tremper même dans cette eau lorsqu'elle est en train de s'écouler. D'accord ? Donc si on veut aller se tremper dans une rivière, puisque c'est la rivière en général, c'est parce que c'est des sources d'eau qui refont sortir leur eau, on aura le droit de se tremper. Maintenant, cas particulier, qu'est-ce qui se passe si c'est une rivière, un petit torrent, qui a été fait par de l'eau de pluie? Alors, selon Beit Shammai, il y a un grand chidouche dans la Mishnah, c'est ce qu'on appelle Har Delit. Si on parle qu'il y a en fait tout cette petite rivière, où il y a dedans la quantité d'eau requise, 40 CA, mais qui sont en train de glisser de la montagne pour aller vers la plaine. Est-ce que on peut se tremper dans un tel mikvé ou non? Est-ce que ça s'appelle qu'on se trempe comme dans un mayan, que c'est pas dérangeant le fait que l'eau ne soit pas retenue dans un endroit fixe? Ou est-ce que, puisque c'est de l'eau de pluie, il faut qu'elle soit nécessairement retenue dans un endroit? Et sans ça qu'il y a une discussion, Beit Shammai considère que Matbilin Bechar Delit, on a le droit de se tremper dans cette Char Delit. C'est pas dérangeant le fait qu'elle soit en mouvement, étant donné que c'est ça son habitude dans les torrents, la pluie elle coule sur les montagnes, et les montagnes font ensuite forme des petites rivières qui se réunissent ensuite, c'est pas un problème de se tremper dans ça à leur état naturel. Toute la Kpeda, ce que la Torah a insisté pour se tremper uniquement dans de l'eau qui est retenue dans un endroit fixe, c'est uniquement lorsque c'est un vrai mikvé. Ça c'est selon la Beit Shammai, Beit Hillel Omrim, En Medvelin, et selon Beit Hillel, on ne pourra pas se tremper dans cette eau jusqu'à qu'on la fixe dans un endroit, qu'on la retienne dans un endroit. Sixième discussion maintenant de la Mishnah. On arrive au bout, c'est bien. Alors, on a Ger Shenit Gaya Arve Psachim. D'abord, on le traduit littéralement, après on explique de quoi on parle exactement. Ger Shenit Gaya Arve Psachim. À la veille de Pessah, il y a eu un ger, un converti, qui s'est converti, qui a fini sa conversion. Il a fait sa Brit Mila le 14 Nissan au matin, et après il est parti se tromper au Mikvé. Et puis maintenant, il aimerait bien manger le Korban Pessah, faire la première mitzvah merveilleuse des Bnei Israël qu'ils vont faire. L'après-midi même, il va faire son Korban Pessah et ensuite il va vouloir le manger. Est-ce qu'il aura le droit de manger le Korban Pessah dans cette situation particulière? Eh bien, Beit Shammai Omri, Tovel, Veochel, Et Pisro, La Erev. Il pourra se tremper et aller aisément ensuite manger le soir même son Pessah, son Korban Pessah, La Erev. Ou Beit Hillel Omri, et Beit Hillel nous disent, alors une halakha, elle a l'air choquante telle qu'on l'a dit, telle qu'elle est écrite, Aporesh Mina Orla, Keporesh Mina Kever. Ce qui est Poresh Mina Orla, Orla, c'est sur la vessie, la peau qui le recouvre, donc ça s'appelle toujours une appendice en bon français. Alors, ce qui va se retirer, donc cette peau qui va se retirer depuis sa vessie là-bas, alors ça, c'est considéré que Poresh Mina Kever comme si c'était un morceau de mort. C'est-à-dire, en fait, il le dit poliment, quoi, on va considérer ce guerre comme si qu'il est Mehmet, comme si qu'il a touché un mort. Pourquoi? À cause de cette peau qu'on a retirée, la orla, qui considérait comme si qu'elle avait touché un mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire? La notion, elle est très simple. En réalité, c'est qu'une xéra de Rabbanan. On craint que si le goy, il a touché un mort le matin, imaginez, on a déjà appris qu'un goy ne reçoit pas, ne véhicule pas de touma. Un goy n'est pas tamé. Ça signifie que si un goy, il touche des morts, il ne va pas être tamé, il va rester pur. Si ensuite il se convertit, tout de suite après, il est complètement tahor. Et de ce fait, si un 14 Nissan au matin, il va toucher un mort, tant qu'il est goy, et puis après il va se tremper au mikvé, selon la halakha stricte, il a le droit ensuite de manger le korban pessah juste après. Le seul problème, il est que ce goy, bienvenue au club, le problème, il est que l'année prochaine, il va se retrouver dans une situation où il va toucher un mort le 14 au matin, et il va dire, ah, si je me trempe au mikvé, je pourrais manger le korban pessah ce soir. Et bien évidemment, c'est faux, parce que lorsqu'un Ben Israël, un juif, tout rentre en contact avec un mort, pour pouvoir manger son korban pessah le soir, il doit faire un long procédé de la Hazaat Meichatat. Il va devoir se faire asperger les eaux de la vache rousse. Ouais, la vache rousse, les cendres de la vache rousse. Et c'est un procédé qui dure pendant 7 jours. On fait deux fois, on se chichi, troisième jour et septième jour, on asperge là-bas, on lui asperge de l'eau de la vache rousse. Or, si ce goy, tu lui permets, tu lui dis, écoute, en réalité, ce matin, quand tu as touché le mort, tu étais encore goy, donc c'est pas grave, tu as perçu de Touma. Tu vas te tremper l'après-midi, tu vas ensuite pouvoir manger le Korban Pessah le soir. On craint que l'année prochaine, tu vas commencer à devenir un grand rabbin. Tu vas commencer à enseigner des halakhot à tout le monde et tu vas dire, ouais, ben, quelqu'un qui est devenu impur, il a le droit, qui a même touché un mort, il a le droit de partir au mikvé, et puis l'après-midi, le soir même, il pourra même manger le Korban Pessah. Parce que tu vas rapporter de ton expérience. C'était le grand rave qui t'avait dit de faire de la sorte.
Et toi, tu n'as pas fait attention qu'à l'époque, lorsqu'il t'a dit de te tremper, c'est parce que tu étais encore un goy. Donc ça ne dérangeait pas le fait que tu touchais le mort. Mais maintenant que tu es un juif, on craint qu'il va y avoir donc une tekala. De ce fait, Beth Hillel, on dit, on considère que tout goy qui va se purifier, qui va devenir maintenant juif, eh ben, il devra nécessairement faire la Hazaa, Rosh Lichi et Juvii. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite plein de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.